Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Madame qui cuisine, ça change de monsieur. Alors on va faire des courgettes au curry pour l'apéro. On a goûté ça chez une voisine, c'est excellent. Donc pour ça il nous faudra 2,5 kg de courgettes, 3 oignons, du sucre en poudre, du vinaigre blanc d'estragon, 100 g de gros sel, du curry en poudre et de la moutarde à l'ancienne. Voilà, on coupe les oignons en lamelles. Puisqu'on va faire mariner le tout après avec les courgettes. Et on va attendre à peu près, enfin pas à peu près d'ailleurs, on va attendre 24 heures pour qu'elle marine. Voilà, déjà on met les oignons dans la gamelle. On va s'occuper des courgettes, je vais les laver et je reviens. Voilà, les courgettes sont lavées, j'enlève les deux extrémités, puisqu'après on va les couper en petits cubes avant de les faire macérer avec les oignons. Alors voilà, donc je vais couper les courgettes en deux. Voilà, vous allez lire un plus grand couteau. Voilà, on les recoupe en deux. Voilà, et là, on vient les tailler en cubes. Voilà, pas trop gros. C'est pour l'apéro, donc il va falloir prendre des petites bouchées. Là, et ça se marie très bien. J'ai mis tout ça dans une grande gamelle. J'ai mélangé les oignons et les courgettes. Là, on va mettre les 100 g de sel dessus. On va mélanger. Il ne faut pas beaucoup de sel par rapport à la quantité de ce qu'on a. On mélange bien. Voilà. Et là, on va laisser macérer tout ça pendant 24 heures. On se retrouve plus tard. Voilà, deuxième étape à J+ 24 heures. On a débarrassé les courgettes des oignons, on a rincé les courgettes et donc ça on les met de côté. On va faire la marinade avec donc un demi-litre d'eau, un demi-litre de vinaigre blanc, 300 g de sucre, 4 cuillères à café de curry et 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Alors on peut mettre 3, comme j'aime pas beaucoup la moutarde, je vais en mettre 2. Et on va corter tout ça à ébullition pendant 5 minutes. Alors, on met un demi-litre d'eau, on va mettre un demi-litre de vinaigre blanc . Voilà, on met un demi-litre de vinaigre à l'estragon, ça va donner du goût après à nos petites courgettes pour l'apéro. 300 g de sucre en poudre. Voilà, on met le tout dans la casserole. 4 cuillères à café de curry. Hop. 4. Voilà, le curry de l'autre côté. Et on va mettre 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. On peut en mettre 3 pour ceux qui adorent la moutarde. Voilà. Voilà, on a mis le mélange à bouillir. Donc on va laisser pendant 5 minutes. Voilà, ça commence à bouillir. On va touiller et on revient plus tard pour mettre tout ça sur les courgettes. A tout de suite. Voilà, on fait couler le tout sur les courgettes. Voilà, hop, on va mélanger un peu pour que toutes les courgettes s'imprègnent du jus. Et là, on va couvrir et on va remettre au frigo pendant 24 heures. Voilà, la suite demain. Voilà, 24 heures après, on y est. On sort les courgettes qui ont mariné avec la mixture. On va les mettre dans une cocotte.
avec la marinade. Hop. Ah, de coincer. Voilà. Et là, eh bien, on va faire bouillir. Et quand ça bout, on va laisser 5 minutes et on va mettre en bocaux. Alors voilà, tout a bouilli, 5 minutes. Là, on va mettre en pot. Donc, on met d'abord les courgettes. Hop, on est généreux. On vient là. Et après, on va mettre du coup le jus sur les courgettes dans le bocal. Voilà. C'est quand même pour l'apéritif, donc il faut que ça soit bien imprégné. Voilà, la mise en pot est faite. Maintenant, reste plus qu'à fermer. Et puis dans quelques jours, ben, aller rouvrir quand on fait un petit apéro pour les déguster. Bon appétit !